Merci, Monsieur le Président. Il ne doit plus être possible que des données personnelles soient utilisées à l'insu des utilisateurs. Le scandale Cambridge Analytica a montré le pouvoir immense que nous avons laissé s'accumuler entre les mains d'entreprises qui disposent à leur guise de nos données personnelles. Il est temps de reprendre le contrôle de nos données pour garder le contrôle de nos vies. Ouvrons les yeux. Accepter que nos données soient exploitées à des fins de profilage et de ciblage politique ne serait pas seulement une défaite individuelle, mais une abdication collective. Laisser à Facebook et ses algorithmes le soin de déterminer le message politique que nous recevons, c'est accepter une forme de servitude volontaire. À l'heure où la vérité elle-même est menacée par la multiplication de fake news, notre liberté d'opinion est liée à la connaissance claire que nous avons de qui s'adresse à nous et d'à quel but. Souhaitons-nous que l'homo numericus reste un citoyen libre? Alors, tout contenu politique doit pouvoir être identifié comme tel, et nous devons savoir qui en est à l'origine. C'est vraiment le minimum, et c'est urgent.